Eh bonjour, on se retrouve sur Phobos Lab. Alors, en fait, les nouveaux mobs sont peut-être sur cette map. Je sais plus. Je sais qu'il y en a qu'on va pouvoir avoir bientôt. Alors là, voilà. Bon, vous l'avez vu la dernière fois, on avait une petite combinaison pour traverser le truc. Là, forcément, même si je commence avec 200 de vie complet, je vais être obligé d'en perdre un. Ok. Eh, c'est pas du PGM ça, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Pro gamer, je vous dis le Morty. Alors, on se retrouve sur certainement un des mondes que je connais le moins. Allez savoir pourquoi, parce que j'ai quand même fini le jeu plusieurs fois. Et pourtant, je ne connais que très très peu ce niveau-là. Oh là, petit freeze. Et ça va être reparti. Ok. Ah oh bah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est carrément ma souris en fait qui tire en continu. Bien, bien, bien. Donc, on va continuer, putain. Ma souris, je vous jure qu'il va vraiment être temps que. Ah oh, ouais, bah vas-y, freeze autant que tu veux. En fait, c'est vraiment ma souris qui est HS, j'ai l'impression. Ah ouais, ils se tuent entre eux. Tranquille, quoi, en fait. Ok, fini, y'a plus personne. Allez, on est reparti. Alors, hop, on va essayer de faire gaffe, parce que vu que je suis ma souris qui fait du caca, j'ai pas envie de me retrouver. Attends, alors, pardon, là, j'avais l'impression qu'il y avait un secret quelque part dans ce couloir. Non, allez, on va jouer normalement, on va pas s'amuser à... Attendez, je vais peut-être juste mettre une espèce de feuille de papier pied en dessous de ma souris si je défonce pas tout ce que je suis en train de faire. Ok, c'est bon. Ouais, c'est quand même vachement moins pratique pour celui qui ramène que 100, c'est pas trop grave. Ouais, c'est moins pratique hein, pour jouer. Mais écoutez, c'est pas comme si je l'avais mis. Ah ouais, non mais carrément quoi en fait. Ouais non, ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible de jouer comme ça. Hop, on vire. Allez. Tuez-vous entre vous, il n'y a pas de problème, je vais pas... Il y a du son là-dedans. Je crois qu'il y a un truc qui s'ouvre par là après. Et en face aussi, il y a un truc qui s'ouvrira, je sais plus, hein, ça fait très longtemps. Bon, toujours est-il qu'on a la clé jaune, on y va, alors ça je... Ok, on a vu qu'il y avait du monde sur la gauche, alors on va essayer de le buter tout de suite. Enfin, on a vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi en tout cas, je l'ai très bien vu. Ah bah ici aussi. Ok, désolé, concentration maximum. Je peux pas me permettre de rester jouer et de vous raconter ce qui se passe. Parce que c'est un peu la folie furieuse là en dessous. Ah ouais, je suis quand même bien descendu ma vie là en fait. Ah, c'était un peu hardcore hein, sur ce coup là. Eh bah écoutez, j'imagine ce que ça aurait été si on avait été en ultra-violence. Il veut pas. En fait, j'aime pas. Si vous voulez, l'idée de garder ces bidons à côté de moi quand je passe à côté, c'est surtout ça qui me fait peur. On n'a rien d'autre. Ok, là on a. Ah si, là on a du bon là. Ouais, pour le coup, je pense que ce qu'on va faire. Hop, on va passer par là comme ça. Ça nous permet de venir ici visiter le père connard. Ok, bah alors ça fallait s'y attendre, hein, c'est un peu l'humour à la Doom. Ah, y a une armure à 200% là-haut. Triple secret, allez hop, tranquille. C'était rock'n'roll. Je vous avouerai que j'ai un peu serré les fesses pendant un moment. Alors, là, on avait quoi? Ben là, on a encore notre... Comment on fait pour aller là-haut? Comme ça, j'imagine.
Voilà. Et on a la fin, je pense, bientôt, la fin de la combinaison. Alors là, on a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Parce que si... Non, on n'a rien ici. Et là-haut, il n'y aurait pas par hasard? Attendez. Ah bah si, là-haut, il y avait. Vous voyez, en fait, quand on ouvre... Allez, encore plusieurs secrets. Ah, alors, j'en ai parlé à un moment. Est-ce que ça ne serait pas l'accès au niveau secret qui rend hommage à Wolfenstein 3D? J'en avais parlé, si vous voulez, dans le... Je ne sais plus si c'est ça ou pas. Je ne pense pas, parce que vu qu'on a ce truc-là, ça rend invisible. Mais là, bon, clairement, on va avoir une téléportation. Soit des mobs qui vont se téléporter ici, soit c'est nous qui allons être téléportés quelque part. Je veux juste regarder ce qu'il y a ici, parce que là, bon, on voit qu'il y a un secret, hein. C'est un... Ouais, bon, là, on sort, du coup. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, on va le prendre. Et on y va. Secret pourri! Voilà, ceci est un secret totalement pourri. Vas-y, tire complètement à côté, lui. Du coup, bon, attendez, on va juste y retourner pour voir si on n'a rien oublié, parce que j'ai comme un petit doute. On est là pour tester, après tout, hein. Mais je pense que non, je pense qu'on n'a rien oublié, c'est juste une histoire de... Là, on avait la clé, c'était la clé bleue. La clé bleue, on l'a pas pour le moment, donc... Ouais, j'étais peut-être pas obligé de repasser par là non plus. Mais c'est pas grave, on va essayer de passer par là, la clé jaune, on l'a vue, donc... Ah ouais, toi t'es là-haut toi. C'est bon, je vais m'occuper de toi, t'inquiète. Et un petit freeze juste au bon moment, évidemment. Alors. Ok. Deux d'un coup. C'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, bon là, on est bien. Ça, on avait vu cette partie-là, non, du coup, on ne la connaît pas. Alors, en général, quand on a des lumières clignotantes comme ça annonce vraiment rien de bon. Je vous assure que pour connaître un petit peu ce jeu, on entend d'ailleurs, hein, les mobs. Je sais pas si vous les entendez, mais en général, ce genre de truc, c'est tout va devenir tout noir. Il y a tout qui va s'ouvrir autour et il va y avoir plein de monstres qui vont. Non. Ok, j'ai été mauvaise langue sur ce coup-là. Je veux bien le reconnaître. Mais il faut avouer que... Merde, je tire dans le mur. Ah, c'est bien ça, vous avez fait ça en clair. Putain, il y en a combien là-dedans? Ah, je vais retourner, il n'y avait pas un petit chargement de... J'avais pris les fusils de tout le monde là-dedans? Ouais, bon, c'est pas grave. On sait pas pour 6 balles qui me manquent. En même temps, on n'est pas à ça près. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, un invisible. On le voit à peine. On le voit à peine. Ça y est, il est mort. Ok, là on a la deuxième. Enfin, la clé bleue surtout. Ah, salaud. Putain. Alors celui-là, je m'y attendais pas du tout. J'ai été un tout petit peu surpris, je vous avouerai. Allez, juste pour le trip, on explose ça et on va voir. Ici, je pense qu'on va pas être loin de la fin. Ah non. Ah bah, je suis désolé pour vous, les gars. Je suis vraiment désolé parce qu'au niveau visuel, ça va être juste une catastrophe. Alors j'avais un peu oublié que le jeu était comme ça. Il y a forcément des parties qui sont un petit peu... pas très agréable à voir, mais je vous avouerai que j'en souvenais pas. Je pensais que c'était quand même assez clair, enfin au niveau luminosité, j'entends. Ok. Alors je crois qu'il y a à un moment un item de vision nocturne. J'espère. Tous ces trucs-là, je vais pas les garder. Il faut longer un peu. En plus, ils sont invisibles, hein. Pas tant qu'à faire, hein, de toute façon.
Ok. Ça, c'est la porte de sortie. Mais on va pas s'y intéresser tout de suite. On va quand même explorer le merdier. Ok, je crois que c'est par là qu'on a un truc. Ça, c'est la sortie, c'est ici. C'est ici qu'on a. Yes. Vision nocturne. Ok, allez, on n'est plus embêté. Désolé, hein, encore pour les petits maux de tête que je viens de vous provoquer là. Ça, c'était la porte par laquelle je suis arrivé. Alors, on va récupérer tous les items et puis bon, on va faire feu parce qu'on arrive quand même sur la fin de cette map hein, qui était relativement courte, mais dont je me souvenais quasiment pas. Enfin, je veux dire, au niveau du plan. Alors, il me semble qu'il y a une. Voilà, il y a une. Comment ça s'appelle? Alors, il y a aussi une touche, je crois, pour. Ah, vous voyez, alors les monstres, on a buté tous les monstres comme ça. Par contre, il y a trois secrets que je n'ai pas trouvés. Et je sais qu'il y a des touches pour descendre, pour monter, etc. Je sais plus, enfin pour se balader sur la carte. Mais je sais plus quelles sont ces touches. Alors, j'ai pas envie de faire de bêtises parce que si j'arrête le record, voilà, durée 11 minutes, voilà. Bon, c'est pas grave. Oh là, non, je veux pas. Voilà, j'avais zappé qu'on a ça. Donc, c'est pas mal parce qu'en fait, on sait qu'on a zappé des secrets. C'est plutôt bien, on peut du coup se faire la map. Alors, est-ce qu'on voit les secrets par exemple? Non, je pense pas qu'on puisse les voir. À moins que ce soit des parties. Bah, c'est les parties en rose en fait qui sont représentées comme étant des secrets. Est-ce que si je descends. Non, allez, écoutez, on va se terminer là-dessus. On va se terminer là-dessus. Ouais, c'est marrant de voir mon petit. Hop, là, je suis normalement en face de la porte de sortie. Allez, sur ce, je vous dis tchuss, les gars, et à la prochaine! Ouais, 70%. Allez, s'y attendre. Allez, bye!